Sunday Night Production. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un coureur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer le premier épisode d'une série de 4 podcasts consacrés à Manon Genet en collaboration avec NutriPure. Dans ce premier volet, j'accueille donc Manon Genet, triathlète de haut niveau et future maman. Nous allons explorer avec elle les défis, les adaptations nécessaires et les erreurs à éviter pour poursuivre l'entraînement pendant la grossesse. Mais également les craintes que cela a pu provoquer chez elle et la manière dont elle souhaite reprendre l'entraînement après sa grossesse. Bonne écoute! Derrière chaque victoire, il y a une histoire. Tous les vendredis du 3 au 24 mai, découvrez celle de Manon Genet, triathlète de haut niveau. Elle nous ouvre les portes de son univers et nous révèle ses meilleures stratégies pour surmonter tous les défis de la vie d'une athlète professionnelle. Bien-être mental, performance, parentalité, nutrition, plongée dans la vie sportive, là où la détermination rencontre la passion. Ce programme vous est proposé par NutriPure, qui s'engage à vous offrir le meilleur de la nutrition sportive. Activez votre potentiel aujourd'hui sans sacrifier votre santé de demain. Bonne écoute. Salut Manon. Salut Cléo. Comment ça va? Bien. Et toi? Bah écoute, ça va super. Merci beaucoup, je suis plus que ravie de pouvoir faire ces 4 épisodes avec toi pour rentrer un peu dans les coulisses, dans ton intimité, dans l'intimité d'une sportive de haut niveau. Et je suis très contente de commencer ce premier épisode avec un sujet qui est très important, un sujet qui me tient à cœur aussi, qui est la grossesse et la maternité en carrière. Donc, merci beaucoup pour ça. Manon, du coup, ma première question, forcément. Alors, une question simple, mais une question qui est importante. T'es enceinte de 7 mois à l'heure où on se parle. Comment ça va? Eh bien, tout va super bien. Je suis en pleine forme. J'ai un peu moins de mobilité depuis quelques semaines parce que ça commence à prendre un peu de place. Ouais. Mais sinon, je vis une grossesse, j'ose le mot, mais merveilleuse. Tout se passe vraiment super bien. Ouais. Épanouissante. Ouais, c'est épanouissant. C'est une phase de ma vie que j'imaginais pas comme ça, que j'imaginais pas déjà tout court, et que j'imaginais pas comme ça. Et c'est incroyable de voir les changements que le corps peut vivre et l'impact que ça peut avoir sur le psychologique et même sur le psychologique d'une sportive de haut niveau dont le corps est pas forcément destiné à ça en premier lieu. Ouais. On y reviendra parce que ça, c'est vrai que c'est un sujet qui est hyper intéressant. Ouais. Moi, j'aimerais bien revenir du coup au tout début, quand tu as appris que tu étais enceinte. Qu'est-ce qui t'a traversé en premier l'esprit? Est-ce que tu as eu peur pour ta carrière, pour ton sport? Comment ça s'est passé dans ta tête? Quand j'ai appris que j'étais enceinte, ça faisait déjà plusieurs semaines que je l'étais et j'avais déjà couru un Ironman en étant enceinte. Donc en fait, quand je l'ai appris, ça a été une espèce de surprise énorme parce que je m'y attendais pas. Ouais. Je l'avais pas recherché, j'avais pas programmé. Alors c'est une surprise. Carrière sportive, tout se programme sur tout ce genre de choses. Donc ça a été vraiment une très très grosse surprise. Et ça, cette surprise-là, déjà à digérer, elle prend un peu de temps. Et effectivement, la deuxième émotion ou deuxième sentiment qui m'a traversée, c'était la peur. Mmh. La peur parce que dans un premier temps, j'étais en train de préparer championnat du monde Ironman. Ouais. À Hawaï, et je m'étais qualifiée in extremis sur la dernière course de la saison avec vraiment Hawaï un objectif ultime pour relancer une saison qui avait été compliquée avec des problèmes de santé, un accident, etc. Donc en fait, sur le moment, ça a été non, pas maintenant. C'est pas possible, c'est pas programmé, c'est non. Et en même temps, ouais, voilà, je sais pas, un accueil de la nouvelle avec beaucoup, beaucoup de bonheur. Tu t'es dit que c'était peut-être le destin qui t'amenait quelque chose, que c'était ce qu'il fallait, c'est la vie qui t'amenait une nouvelle aventure. Oui, il y a de ça. Ouais, tout à fait. En se disant, bah, en fait, si ça se passe maintenant, c'est qu'il doit y avoir une raison. Hein, c'est, les choses, ça n'arrive jamais par hasard. Enfin, de mon point de vue, ça n'arrive jamais par hasard. Puis rapidement, je me suis dit qu'en fait, si ça arrivait maintenant, c'était que c'était le moment et que je l'avais toujours repoussé. Donc, il fallait que j'en profite, en fait. Enfin, je sais pas, il y avait un message derrière tout ça. Et vis-à-vis de ta carrière, tu le disais, tu préparais le championnat du monde. Comment ça s'est passé, justement, d'un point de vue sportif? Qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es dit tout de suite, OK, je continue. J'arrête pas mon sport, je continue à faire ça. Ou il y a eu un moment donné où tu t'es dit, bon, bah, peut-être que c'est le moment aussi peut-être de faire pause.
Mais il y a eu plusieurs étapes. Quand je l'ai appris, donc j'avais compris que j'avais déjà couru l'Ironman de Mont-Tremblant au Canada en étant enceinte. Et ce moment-là, j'apprenais juste que j'étais enceinte. Mm. Je me suis dit, Hawaï, c'est dans quelques semaines. En termes de timing, je pouvais très bien courir Hawaï en étant enceinte. Je connaissais des femmes qui l'avaient fait. Et sur le moment, en fait, je ne me sentais pas du tout amoindrie physiquement ou... un petit peu, mais j'avais l'impression que c'était passager. Donc sur le moment, je me suis dit, tant mieux, je vais mener les deux projets de front, ça va être génial, je vais garder ça pour moi, donc ça va forcément être un gros secret à garder et jongler les entraînements avec un état physiologique de changement. Mais pourquoi pas ? Donc ça a été la première étape. Ouais. Sauf que la deuxième étape, j'ai appris qu'il y avait deux bébés, en fait. Une grossesse gémellaire. Voilà, c'était une grossesse gémellaire. Donc là, les questions, elles ont vraiment changé. Parce que, parce qu'il y a un aspect médical qu'on ne peut pas mettre de côté. Bien sûr. Et j'ai eu énormément de chance parce que j'ai été accompagnée par des personnes dans le corps médical qui ne m'ont pas jugée, qui ne m'ont pas influencée, mais qui m'ont posé cette question très ouverte en me disant « Quel est le projet le plus important pour toi, maman ?» Et en fait, cette question, elle était décisive. Parce que ma réponse, j'ai même pas mis une seconde à répondre, en fait. Pour moi, le projet principal, c'était potentielle grossesse. Parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas, ça fait un mois, tout peut arriver encore. Ouais. Et pour moi, je me suis dit, mais si Hawaï doit compromettre cette grossesse, je m'en voudrais toute ma vie. Donc non. Donc non, on va revoir les plans, on va regarder ce qui est possible, on va tout réanalyser et on va faire en sorte que la grossesse se passe bien et donner une autre chance à Hawaï plus tard. Tu dis du coup, on va revoir les plans. Tu les as revus comment du coup ? Mais le timing faisait que il y a ces fameux 3 mois pendant lesquels c'est pas qu'on n'est pas censé dire qu'on est enceinte, mais disons qu'on prend un risque. On prend toujours un risque. Mais on prend un risque d'annoncer quelque chose qui potentiellement se passe pas bien. Donc, Hawaï se passait dans ces 3 mois-là. Donc, en fait, je ne pouvais pas dire à mes sponsors que j'attendais un heureux événement. Et en même temps, j'étais obligée de leur dire que je ne participais pas à Hawaï. Donc, incompréhension totale. Et donner une raison. Parce que j'avais traversé une année compliquée, que en gros j'attendais que ça, j'attendais que Hawaï pour pouvoir me redonner une valeur sportive, et que là d'un coup, pour une raison inconnue, je n'y allais pas. donc ouais, sur le moment, ça a été un petit peu compliqué à vivre parce qu'il y avait beaucoup de frustration. Mais mon choix, il était fait, en fait. Et il fallait surtout que je sois en accord avec mon choix. Donc je n'ai pas été à Hawaï. Qu'est-ce que tu leur as dit ? Je leur ai dit que j'avais une urgence personnelle. J'avais une situation personnelle importante. Voilà. Donc, ce n'était ni très négatif, ni très positif. C'était juste... je vous laisse imaginer que je suis dans une situation dont je ne peux pas parler. Il y a quelque chose à gérer. J'ai quelque chose à gérer et je ne peux pas venir. Voilà. D'accord. Et après, donc sur la suite, donc tu ne participes pas. Je ne participe pas à Hawaï. Ouais. Mais tu as continué à pratiquer tes 3 sports de prédilection. Ah, bien sûr, bien sûr. Tu t'as jamais arrêté, je crois que tu continues toujours d'ailleurs. Ouais, alors moins maintenant là. Hein. Justement, une fois que les 3 mois étaient passés, donc du coup tu as aussi annoncé que tu étais enceinte. Mmh. Comment tu as adapté justement cet entraînement aussi parce que... tu l'as pas dit, mais ta carrière ne s'arrête pas, hein, tu veux continuer. Bien sûr. Donc voilà, l'idée c'était pas d'arrêter tout non plus d'un coup. Comment tu as planifié ça ? Comment tu as structuré justement cet entraînement, ce plan d'entraînement en étant enceinte ? La première chose, c'était que je ne voulais pas arrêter pour 2 raisons. La première, c'est que j'en ai besoin pour mon équilibre physique et psychologique. Je m'entraîne plusieurs fois par jour au quotidien, donc m'enlever ça d'un coup, c'était forcément m'emmener droit dans le mur. J'allais pas être bien. Et la deuxième chose, c'est que de toute façon, je suis toujours une athlète et que j'envisage un après-carrière. J'envisage une carrière après ma grossesse et que pour minimiser l'impact de la grossesse d'un point de vue physique, il fallait que je continue à m'entraîner. Donc là, il a fallu que je m'entoure. Donc on a fait pas mal de recherches avec mon conjoint qui est aussi mon entraîneur pour adapter l'entraînement à la grossesse.
On n'a pas trouvé grand-chose. Hein. C'est vrai. Très honnêtement, il n'y a pas... Il n'y a pas de ressources. Il y en a un petit peu, mais il y en a très peu, en fait. Elles ne sont pas très faciles d'accès, en plus. Et la deuxième chose, je me suis rapprochée de la gynécologue de l'INSEP, qui est Carole Maître, ouais. Qu'on connaît assez bien sur cette thématique-là, pour avoir suivi... Une référence. Qui est une référence et qui suit toutes les athlètes sportives de haut niveau, voilà, qui vivent des grossesses pendant leur carrière. Et donc, on a discuté avec elle pour qu'elle me suive régulièrement voilà, sur cet aspect adaptation, changement physio et entraînement. Et ensuite, j'ai aussi fait par rapport à mes sensations, ce qui est très, très important. En fait, c'est peut-être la chose la plus importante. Ouais. Tu t'es écoutée ? Ouais, je me suis écoutée. Il y avait des jours, je ne pouvais pas m'entraîner. C'était pas possible. Et il y avait des jours, j'étais en super forme. Et en fait, il fallait que j'adapte au fur et à mesure... au quotidien, sans projection, sans plan, sans stress aussi. Mmh. Il fallait vraiment plus du tout que l'entraînement devienne une source de stress qui est normalement recherchée. Normalement, le stress est cherché par l'entraînement pour que le corps trouve une réponse physiologique. Mmh. Là, il fallait que l'entraînement ne soit plus une source de stress. Que ce soit même l'inverse, que ce soit une source de bien-être même presque. Ouais, mais c'est toujours une source de bien-être parce que quand on s'entraîne des heures et des heures, qu'on cherche ce stress, en fait, on l'aime, on devient addict. À ça. Si on n'a pas cette source de stress, on ne s'est pas entraîné. On a même l'impression de s'être mal entraîné. Mmh. Donc ça, c'est le bien-être, c'est un petit peu particulier à dire, mais le bien-être, il passe aussi par là, par cette recherche de performance qui passe par l'inconfort. Mais là, voilà, c'était plus du tout la même, c'était plus du tout la même recherche. On était plus sur garder de la mobilité, garder la gestuelle, garder le contact avec l'eau, et essayer de trouver un équilibre entre ces changements physio et un entraînement qui était de toute façon toujours très très adapté, autant en termes de temps que d'intensité. Donc là, tu es vraiment suivie d'un point de vue médical, ce qui est obligatoire, d'autant plus quand c'est une grossesse gémellaire, j'imagine. Oh, ah oui, alors là, oui. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des spécificités liées au fait que ce soit une grossesse gémellaire ? Sur le plan médical. Sur le plan médical ? Oui. Moi, par exemple, je crois que j'ai des échographies tous les 15 jours, par exemple. D'accord. Donc, j'ai un rendez-vous tous les 15 jours pour le suivi des deux petits parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de risques. Mm-hmm. Surtout que ce sont des jumeaux identiques. D'accord. Jumeaux-jumelles. Hein, je ne sais pas encore le sexe, j'ai pas envie de savoir. Mm-hmm. Mais ça veut dire qu'ils partagent la même poche de placenta. Donc, en fait, dans ces cas-là, d'un point de vue strictement médical, il y a des risques, en fait, qu'il y a un bébé qui se développe plus que l'autre, etc. Donc, je suis énormément suivie sur ce plan-là. Et je suis aussi suivie pour savoir si le corps, il supporte bien. Ouais. Et voilà. Et toi, d'un point de vue personnel, il n'y a aucune frustration ? Le fait de lever le pied, hein, forcément, un petit peu aussi, et d'avoir une période un peu... particulière dans ta carrière, c'est aucunement source de frustration. La course d'Hawaï a été assez dure à vivre. J'ai eu beaucoup de mal. J'avais vraiment hâte qu'elle passe cette course parce que je me sentais vraiment décalée et je me sentais hors circuit et je me sentais oubliée. Ouais. Donc ça, tant que la course d'Hawaï n'était pas passée, c'était dur parce que j'étais dans le silence. J'étais même dans le retrait total. À un moment où le monde du triathlon a les yeux rivés sur l'événement le plus important de l'année. Mmh. Puis il y avait une forme d'incompréhension par des gens de ne pas m'y voir, en fait. Donc ça a été un moment pas très confortable pour moi, j'ai vraiment pas aimé. Mais une fois que c'est passé et que j'ai trouvé ma place dans cette nouvelle phase de ma vie, j'ai vraiment eu zéro frustration. Au contraire, je me suis dit, mais en fait, je vais... utiliser, alors je mets des gros guillemets autour de ce mot parce qu'il est un petit peu intéressé comme mot, mais je vais profiter en tout cas de cette nouvelle phase de ma vie et de cette carrière sportive puisque j'inclus complètement cette grossesse dans le cadre de ma carrière sportive parce qu'en fait c'est, enfin il y a une relation très proche entre les deux pour déjà vivre cette expérience, comprendre quelles sont les failles et les forces et avoir un discours auprès des femmes qui soit... Alors, sportif de haut niveau, oui. Sportive, oui. Et carriériste aussi, tout simplement. Parce qu'en fait, moi, j'utilise mon statut sportif de haut niveau pour parler de ce que je connais. Mais en fait, je fais vraiment je mets toutes ces femmes carriéristes dans un même panier, en fait. Je pense qu'on a toutes un profil qui implique de faire souvent des choix
entre notre métier et notre vie perso. Et j'ai envie que cette expérience-là profite à toutes ces femmes. C'est important pour toi justement de passer ce message-là maintenant, de médiatiser en quelque sorte, en tout cas de parler de ta grossesse, de dire bah oui, alors je suis enceinte, mais c'est pas pour autant que ma carrière s'arrête, je veux continuer ma carrière derrière. Ce message-là, il est vraiment important. Et en fait, il est super important parce qu'en fait, moi, j'en ai manqué. J'ai vraiment eu l'impression de manquer de ce message-là. De modèle. Mais, alors, il y a de plus en plus de modèles sur le sujet, mais ils sont très récents. Ouais. Et en plus de ça, moins ils sont nombreux, moins on a confiance. Mmh. Parce qu'en fait, on se dit que c'est juste la chance de quelques élus qui y arrivent parce qu'elles ont la chance d'avoir, une situation financière acceptable. Un encadrement, un entourage, enfin... En fait, elles sont tellement peu nombreuses qu'on se dit qu'il y a forcément quelque chose qui fait qu'elles sortent du lot. Donc en fait, ces rôles modèles-là qui ont été pour moi, qui restent des sources d'inspiration parce qu'en fait, elles m'ont fait comprendre que c'était possible, elles ne sont pas assez nombreuses. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin de plus de personnes qui en parlent et que ça se démocratise en fait. L'idée se démocratise tout simplement. Qu'on ne se dise pas « Ah bah elle y est arrivée parce que c'est... » Elle a une situation privilégiée. C'est une situation privilégiée, c'est un extraterrestre, c'est un ovni, voilà. Donc moi j'en ai tellement souffert là sur mes 7-8 années de carrière de ce manque d'informations, de ce manque de rôle modèle que je me suis dit « Bah... » Il faut faire quelque chose, en fait. Il faut qu'à mon petit niveau, il faut que je puisse participer à cette évolution des mentalités, des choses, et que je puisse aider mes prochains, mes prochaines. Tu dis, ça fait 7 ans que tu en souffres de ça ? Vraiment, ça depuis le début de ta carrière, c'est quelque chose qui t'a profondément manqué dans la construction de ta carrière ? Bah oui, parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai toujours envisagé. J'ai toujours voulu être maman, sauf que à aucun moment, c'était le bon moment. Ouais. En fait, ma situation professionnelle est tellement précaire et l'implication que demande d'accompagner des vies, une vie, est telle que je ne voyais pas comment les deux projets étaient compatibles. Donc c'était une souffrance atroce. C'était une frustration énorme. Donc ouais, ça fait des années que j'en souffre en fait. Ça fait peut-être pas 7 ans parce qu'au début, c'était pas ma priorité. Mais ça fait 7 ans que la question, je me la pose. Ouais. Ça fait 4 ans que c'est une source de frustration énorme. Tu as l'impression de créer ton propre modèle aussi là en étant enceinte justement et en vivant ça en tant que sportive de haut niveau et qui veut continuer sa carrière derrière. Tu construis ce modèle aussi ? Je pense qu'en fait, depuis que je suis sportive de haut niveau, je me suis dit qu'il fallait que je sois hyper en phase avec qui je suis. Peu importe si je ne suis pas dans une case et peu importe si je ne respecte pas les conventions ou les usages ou les us et coutumes, je me suis dit qu'en fait, il fallait vraiment que je trace mon chemin. Et là, ça fait vraiment pleinement partie. Donc oui, je suis confrontée à des situations qui sont hyper inconfortables. Je passe des messages qui ne sont pas forcément bien compris. Je me prends des retours parfois de bâtons qui ne sont pas agréables. Mais en fait, ce n'est pas grave. Je suis convaincue du message que j'essaie de transmettre. Et je suis aussi convaincue qu'il faut qu'il y ait certaines choses qui changent. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui soient assez courageux pour en parler. Tu dis que tu as eu des bâtons dans les roues, des messages qui ne sont pas forcément agréables. Ça, depuis que tu as annoncé que tu étais enceinte, c'est quelque chose que tu te prends de plein fouet ? Des remarques des gens sur les réseaux, peut-être de la part de sponsors aussi, c'est des choses qui ont pu mettre en péril le futur de ta carrière et ta carrière même présente. La grossesse, je le découvre, c'est quelque chose, une phase de ta vie où tu es sujet à beaucoup de bienveillance. Il y a vraiment une bienveillance énorme envers les femmes enceintes. Donc, je ne peux pas dire qu'au début, je me suis pris des coups de bâton ou quoi que ce soit. Comment ça, tu es enceinte ? Non, il y a vraiment quelque chose, il y a une bienveillance énorme envers les femmes enceintes. C'est très beau à voir d'ailleurs, parce que ce n'est pas qu'une bienveillance féminine, c'est vraiment les hommes, les femmes, tout le monde, les enfants. Donc, c'est très, très, très agréable à vivre. Par contre, une fois que je commence à rentrer sur des sujets qui sont un petit peu plus... pointilleux, ouais. Un petit peu plus gênant, comme le sport en étant enceinte, comme le sponsoring, etc., comme l'accompagnement des sportifs de haut niveau là-dedans. Ouais, là, je me retrouve face à des situations où je me prends des retours qui sont pas agréables, soit je mets un peu le coup de pied dans la fourmilière qui dérange tout le monde. Ça se manifeste comment ?
T'as eu quel type de retour? C'est quoi, des gens qui se permettent d'aller de leurs petits commentaires malveillants vis-à-vis de ça? Oui, bien sûr. Il y a toujours des commentaires sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est vraiment une plateforme ouverte pour que tout le monde puisse donner son avis, son jugement, sans connaître ni le tenant ni les aboutissants, souvent sans avoir les connaissances. Donc, à la limite, ça fait des années que j'y suis habituée parce que même sans être enceinte, j'avais toujours des remarques... pas très agréable ou déplacé. Mais après, c'est plus... Enfin, quand je commence à chercher des réponses ou à savoir comment sont accompagnés les sportifs de haut niveau de la part des fédérations, du corps médical aussi un peu. En fait, il n'y a aucune structure autour de l'accompagnement de la femme enceinte. Je pense que du côté de l'INSEP, il y en a un petit peu plus. Malheureusement, tous les athlètes ne sont pas olympiques déjà, et tous les athlètes ne sont pas accompagnés par l'INSEP. Donc en fait, quand on est athlète seul à évoluer dans son milieu, dans sa spécialité, on se retrouve vraiment seul dans l'accompagnement. Et si on n'a pas soit les connaissances, soit les contacts, soit juste la réflexion de se dire il va falloir que je travaille là-dessus, ouais. Vraiment, on évolue de manière... Seul. Seul, c'est comme s'il y avait tout à faire. C'est comme s'il n'y avait strictement rien qui était accessible comme connaissance, comme professionnel de santé vers qui se tourner, comme moyen de prise de conscience. Comment tu l'as vécu ça psychologiquement? Comment tu le vis psychologiquement de te sentir démuni un peu en fait, hein? C'est ce que tu dis quand tu te retrouves seul face à ça et qu'on ne peut pas donner de réponse ou en tout cas... que déjà de un, on n'est pas forcément sympathique avec toi, de deux, trouver des réponses c'est compliqué. Psychologiquement, toi, comment tu le vis? mon tempérament est que je ne lâche rien et que je me bats. Mais je me bats tout le temps pour tout. Quand je veux un truc, je fais en sorte de l'avoir. Alors, c'est pas mauvais ce que je dis, c'est toujours dans le bon sens, mais voilà, ça gêne. Ça me dérange, ça embête tout le monde, mais c'est pas grave, je vais aller au front parce qu'en fait ça c'est inadmissible. Donc forcément, ouais, je me retrouve dans des situations qui sont inconfortables, mais je les cherche au final parce que je pourrais très bien laisser les choses se faire et puis me dire je vais faire mon petit truc dans mon coin, pas en parler et puis ça servira à personne, mais au pire je me protège. Je pourrais faire ça, pourrais choisir de me protéger entièrement et je me protège. Mais mon choix, il est vraiment de contribuer à faire évoluer les choses parce que moi, j'ai trop souffert, donc je ne suis pas la seule. C'est sûr que je ne suis pas la seule. Je pense qu'il y a énormément de femmes, et notamment dans le sport, de haut niveau, qui ont souffert de ça. Et on ne peut pas laisser ça. Enfin, ce n'est pas normal. Tu observes que le traitement justement réservé aux femmes enceintes, en l'occurrence aux femmes enceintes sportives, aux athlètes, il est différent, et voire il est même négatif, néfaste, pour une potentielle suite de carrière? Il n'y a pas, tout simplement, d'accompagnement. Il n'y a pas de système qui te permet d'envisager une grossesse sereinement, mais il n'y a tout simplement pas d'accompagnement de la femme, même grossesse ou pas. On est encore aujourd'hui en France dans un système très masculin où le sport, notamment, est suivi de manière masculine. J'ai eu affaire à des professionnels de santé qui m'ont suivi de manière... comme si j'étais un homme. Donc en fait, déjà, c'est ça à la base. Le problème, il est là. Et ensuite, nos spécificités féminines en découlent, la grossesse, parce qu'on est conçu pour ça, en découle, et l'après-carrière en découle. En fait, tout en découle. C'est juste, on n'a pas aujourd'hui encore, en France en tout cas, dans le sport, pris en considération les spécificités féminines sur le sport. Le sport d'endurance encore plus, et le sport en général. Et d'autant plus la grossesse, parce que encore aujourd'hui, malheureusement, grossesse égale fin de carrière. Oui, mais d'ailleurs, on me l'a dit plusieurs fois. On me l'a dit plusieurs fois, ça y est, c'est fini. Et c'est terrible d'avoir affaire à ce genre de jugement. Mais pourquoi c'est fini? Est-ce que moi, j'ai dit quelque chose? C'est la limite, il n'y a que moi qui suis concernée. Peut-être que dans un an, je dirais, en fait, non, ça ne m'intéresse plus et que je n'ai plus envie de faire ça. Et en fait, ça viendra de moi, ça sera mon choix. Mais tant que ce n'est pas mon choix, il n'y a personne qui a le droit de dire quoi que ce soit. Il n'y a personne qui a le droit de projeter ses propres peurs sur moi. Et je dis sur moi et c'est sur tout le monde. On n'a pas le droit. Donc moi j'y vais, j'ai pas décidé que ce sera la fin de ma carrière. Au contraire, je pense que c'est vraiment un second souffle. Et si un jour ça doit s'arrêter, c'est parce que c'est moi qui l'aurais décidé, pas les autres. Et cette après-grossesse,
comment tu l'imagines? Alors, est-ce que tu y as déjà un peu réfléchi? Est-ce que tu sais, il y a une... T'as justement un plan pour, d'entraînement presque pour revenir, etc. T'as déjà posé tout ça? Tout est posé. Tout est posé. J'ai mon plan A, mon plan B, mon plan C, parce qu'on sait jamais. Enfin, il y a plein de choses. Voilà, j'ai plein d'incontrôlables. Ouais. Hein. Donc, on verra. Mais comme je travaille avec mon conjoint et que c'est mon entraîneur depuis toujours, il me connaît très bien. Et puis, pour le coup, lui, il va suivre la grossesse. Voilà, oui. Dans tous les aspects. Mais ouais, on a fait un plan. On a fait un plan de reprise, autant sur le plan vraiment entraînement mm-hmm. que le plan compétition. Et de toute façon, c'est un sujet sur lequel on a très, très vite discuté. Quand je suis tombée enceinte, c'était une conversation qu'on avait déjà eue, mais là, elle est devenue très concrète. Je lui ai bien dit, est-ce que tu as conscience que mon retour à la compétition sera dépendant de toi? Oh, waouh. Et il me dit, oui, je sais. Petite pression. Ouais, mais en fait, on a tous les deux la pression. Bien sûr. Parce qu'on a construit cette carrière-là ensemble, donc que ce soit avant la grossesse, après la grossesse, il est pleinement acteur de mon niveau de performance, de l'implication que je pourrais avoir dans mes entraînements et dans mes compétitions. Donc je lui ai dit, c'est un projet, c'est à deux. C'est pas la femme fait et le papa suit. C'est on est tous les deux acteurs. Et la réussite, ça dépendra de nous deux. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a énormément conscientisé, dont on parle énormément, et même lui, depuis qu'on sait que j'attendais des bébés, du coup, il s'organise, il organise son travail, son temps de travail, il organise ses projets en fonction de ça, pour me permettre aussi de revenir au niveau. Mmh. Donc tout est déjà organisé, avec l'adaptation qui sera nécessaire à tout ce qu'on ne peut pas contrôler. Et idéalement, concrètement, du coup, comment tu souhaiterais que ça se passe, ce retour? Tu as déjà des objectifs, même des compétitions, ouais, même peut-être dans le viseur? J'ai des compétitions. J'envisage de reprendre l'entraînement. Donc, je devrais accoucher début avril. J'envisage de reprendre l'entraînement fin avril, début mai, mais ce sera très léger. Mmh. On parle de mobilité, on parle de petites choses comme on ça. On va pas faire des séances directes. Non. On parle vraiment de séances qui sont très accessibles. Passer l'été à m'entraîner en fonction des bébés. Mmh. Voilà. Ça sera pas en fonction de moi, ça sera en fonction des bébés. Et essayer de revenir sur un triathlon entre le mois de septembre et le mois d'octobre. D'accord. Pareil, ça sera un triathlon sans exigence, un triathlon plaisir, un triathlon retour. Voilà. Et par contre, là, il y a une course qui me tient vraiment à cœur, c'est le marathon de La Rochelle, qui se déroule fin novembre, où là, j'ai vraiment envie de... Je serai peut-être pas au maximum de mon niveau de performance, mais j'aimerais bien faire une belle course. Donc, je me suis donné cet objectif-là. Pourquoi ? Parce que je suis rochelaise, parce qu'il y a toute ma famille là-bas, et que j'ai jamais eu l'occasion de faire un marathon sec, comme on dit. Je fais beaucoup de marathons, mais toujours à la suite de beaucoup de vélo et de natation. Donc, j'avais envie de faire ça. Et par contre, passer l'hiver prochain à m'entraîner pour pouvoir refaire une saison normale, mm-hmm. plus normale en tout cas, différente, mais plus normale en 2025. C'est des objectifs qui sont assez élevés quand même. T'en as besoin? Ça te fait pas peur? T'as besoin de ces objectifs-là? Je pense qu'il faut que je conditionne ma tête et mon corps. Si j'ai pas d'objectif, mon corps il se remettra pas en marche ou pas aussi vite. Et après, je pense que vraiment... On soupçonne pas les ressources qu'un corps féminin, masculin aussi bien sûr, hein, mais l'homme ne passe pas à travers ces phases de changement. Je pense qu'on soupçonne pas assez les ressources qu'une femme peut avoir. J'étais hier sur une compétition et une femme qui est venue me voir avec un petit bout de chou de quelques... Enfin, allez, 10 mois, je crois, 10-12 mois. Et elle était en trifonction et je lui dis, mais t'as repris là? Elle me fait, bah ouais, j'ai fait ma première course là. Et en fait, bah voilà, c'est très peu de temps après et c'est une personne qui a certainement un boulot à côté, mm-hmm. etc. Donc en fait, les ressources, elles sont inépuisables. Il faut juste y croire, il ne faut pas avoir de personnes qui nous font douter de nous-mêmes et avoir un plan structuré, ouais. Un objectif vers où aller. Tu le dis, mais ta grossesse, elle te fait porter un regard différent sur... ton corps et ses capacités? Oui, non seulement ça me fait porter un regard très différent parce que je suis dans une phase
que je n'imaginais pas. Enfin, je suis quelqu'un de généralement très affûté, les abdos, les muscles, etc. Enfin, et là, d'un coup, c'est complètement le contraire, en fait. Ouais. Donc déjà, je porte un regard assez curieux sur moi-même. Quand je me regarde dans le miroir, je me dis « Waouh, c'est fou, les changements !» Qui est cette personne ? Mais qui est cette personne ? Je ne rentre plus dans mes vêtements et... C'est normal. Mais ouais, mais c'est beau, en fait. Je ne pensais pas avoir ce regard-là. C'est très, très beau, un corps qui se transforme comme ça pour la grossesse. C'est vraiment magnifique. Toutes ces rondeurs, tout ce surplus, tout ça, c'est vraiment beau. Après, l'autre aspect, c'est que j'ai quand même traversé ces derniers temps des moments hyper difficiles. Je pense qu'on y reviendra. Qui m'ont fait énormément douter des capacités physiques que je pouvais avoir. Et cette grossesse, elle est arrivée à un moment où je commençais à récupérer. Et ouais, je crois que tout ça, ça me fait vraiment considérer le corps humain comme... une machine extraordinaire. Ouais, c'est vraiment une machine extraordinaire. Quand on en prend soin, on peut faire des choses folles avec notre corps. Tu dirais que c'est un retour à toi, un retour au corps, justement, te réapproprier ton propre corps. Ouais, il y a de ça. Il y a de ça et le réaccepter, surtout. L'accepter tel qu'il est, en fait, avec ses forces, avec ses faiblesses, comme tout le monde. Et pas forcément chercher à le façonner à tout prix à l'image de quelque chose qui m'a été imposé à l'esprit. J'adore. et justement, ce corps aussi, on y reviendra dans les épisodes prochains, mais la blessure, c'est quelque chose qui a fait vraiment partie aussi de toi, malheureusement, ces derniers temps, ces dernières années. Le fait d'être enceinte, ça t'a pas justement aussi... t'as pas eu peur de la blessure, justement, de fragiliser aussi, en quelque sorte, ton corps? Est-ce que c'est quelque chose que tu prends en compte aussi maintenant? Est-ce que c'est quelque chose... Tu fais attention à la manière dont tu t'entraînes spécifiquement pour éviter les blessures? Tu t'écoutes plus ton corps aussi? Oui, oui, de toute façon, j'ai pris des telles secousses ces derniers temps que j'ai décidé que la priorité, ça restait ma santé. Et de toute façon, ça devrait toujours l'être, hein, qu'on soit sportif de haut niveau ou pas. Donc, oui, j'adapte tout de manière à ce que ce ne soit pas compromettant pour l'intégrité de mon corps, mais aussi de ma tête. Mais après, ça se fait assez naturellement au final. Quand on est enceinte, la priorité, ça reste la santé des bébés, la mienne. Et en fait, c'est interdépendant. Si je suis bien, la grossesse, ça se passe bien. Ouais. Et c'est exactement ce qui se passe depuis le début. Corps médical, à chaque fois, ils cherchent un million de trucs. Ils me disent, c'est pas possible, il n'y a rien à trouver. Je fais, eh ben non, parce que je suis bien, je suis heureuse. Ils veulent absolument trouver le petit truc qui ne va pas. Non, mais ils cherchent, c'est leur boulot, c'est normal. Mais je rigole toujours un petit peu en coin en disant, en fait, vous ne trouverez potentiellement pas, parce que je vis un moment de ma vie tellement heureux, où je suis tellement épanouie. Et j'ai l'impression de faire tout de manière très naturelle pour que ce soit la santé la priorité numéro un. Et ça se voit, enfin, les bébés, ils se développent super bien. Ils se développent sur une courbe où s'ils étaient seuls. Oh waouh. Ouais. Ah ouais, d'accord. Donc... Et toc, le corps médical. Eux, ils attendent. Voilà, eux, ils veulent que ça. Mais c'est surtout, et toc, tous ceux qui me disent que le sport, c'est pas terrible pendant la grossesse. Pour le moment, en tout cas, j'ai pas le message inverse du côté de ma grossesse. On attend mieux, effectivement, mais c'est important aussi de rappeler qu'il faut être suivi médicalement et que c'est important aussi. Bien sûr. Parce que chaque femme est différente. Et chaque femme est différente. Chaque grossesse se passe différemment. Notre potentiel est différent à la base. Il faut vraiment partir de là. Moi, je m'entraîne 25-30 heures par semaine. Forcément, faire une heure par jour, ça ne me fait pas peur. Bien sûr. Une personne qui fait 2 heures par semaine parce qu'elle ne peut consacrer que ce temps-là, elle va partir de ces 2 heures par semaine et adapter en fonction de ça. Et puis, il y a des femmes qui n'ont pas envie. Il y a des femmes qui ne le sentent pas, il y a des femmes qui ont d'autres problématiques. En fait, ce n'est pas un jugement sur ce qu'il faudrait faire absolument. C'est surtout donner confiance à toutes ces femmes à qui on a dit « bah non, arrête-toi parce que tu es enceinte ». Mais je ne suis pas malade. On n'est pas malade. On est peut-être un peu moins mobile, il y a des choses qu'on peut moins faire. Mais ce n'est pas grave, en fait. C'est juste qu'il faut adapter. C'est plus dans ce sens-là que je dis les choses. Et déculpabiliser aussi les femmes? Ouais. Déculpabiliser les femmes et puis alerter les consciences sur le fait que, en fait, une femme qui, pour moi, une femme qui fait du sport ou qui continue à s'entretenir, continue à faire un peu de sport, etc., si elle peut, c'est pas un problème, c'est plus un cadeau qu'elle fait à elle-même et à ses bébés. Parce qu'en fait, elle leur donne énormément de choses
pour leur construction. Enfin, depuis quand le sport est mauvais pour la santé ? Alors, à des niveaux, pratiquer à des niveaux extrêmes, oui. comme j'ai pu le faire, oui, on peut carrément. Ça peut carrément être délétère pour la santé. Mais non, quand on cherche simplement à s'entretenir, c'est hyper bénéfique. Bon, pour clôturer ce premier épisode, qui était passionnant, merci beaucoup, Manon, pour tous ces. Bah, en fait, c'est important, effectivement, je trouve, d'ouvrir la parole aussi sur ces sujets-là, parce que ça commence à être le cas, petit à petit. Oui. Mais il faut des rôles modèles comme toi, il faut des porte-parole aussi comme toi. Et c'est important, donc merci de le faire. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Comment tu imagines ces mois à venir avec tes petits bouts de choux qui vont arriver bientôt ? Je veux bien que vous me souhaitiez un peu de sommeil. Je crois que c'est le truc qu'il faut souhaiter en premier aux jeunes parents. C'est ce que j'ai ouï dire. Non, mais profiter, accepter chaque étape, ne pas me poser mille et une questions. Et ouais, c'est un moment merveilleux de la vie. Et voilà, il faut juste accepter les choses comme elles sont et faire du mieux, voilà, du mieux qu'on peut chacun, comme avec les moyens qu'on a. Et d'un point de vue sportif ? Ah bah le retour à la compète et tout casser sur le marathon de Rochelle, hein. Ouais. Non mais un bon retour à la compétition 2025, ça sera pour moi une je sais pas si c'est une revanche parce que c'est très égoïque comme façon de voir les choses, mais une preuve que j'ai réussi à trouver le bon chemin. Et puis si c'est 2026, c'est pas grave. Mais ouais, un retour à la compétition, parce que ça reste important pour moi. Sans trop se mettre la pression. Voilà. Bah, merci beaucoup Manon. Merci à toi. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et une nouvelle thématique. Donc, restez dans le coin, ça arrive bientôt.